Ils réussiront très probablement à choisir un pape en 4, 5 ou 6 jours. Ces deux derniers siècles, les conclaves n'ont jamais duré plus de 5 jours. Je pense que les cardinaux se sont déjà fait leur idée, car beaucoup de cardinaux ont parlé, ils se sont révélés au grand jour, ils ont dit des choses très intéressantes, parce qu'ils ont affronté un peu tous les thèmes importants, y compris celui des femmes dans l'Église, et des scandales qui ont touché Rome. Je penche plus pour des Américains, car ce sont de fortes personnalités. Mais il ne faut naturellement pas exclure non plus un Canadien ou des Sud-Américains, qui sont considérés comme des personnages intéressants, parce que l'avenir de l'Église n'est pas seulement en Asie, mais aussi en Amérique latine.